chouchou. Chouchou, c'est le chouchou. On fait 20 ans de vie compétitive, et ça c'est déjà extraordinaire, mais on fait aussi 20 ans de mon capitaine. Parce que Danny Galichon est le capitaine, et le capitaine des trois bateaux. Il les a créés, il s'est installé à Saint-Tropez, et de jeune capitaine du premier, ben, il est devenu le manager d'une grande entreprise. Qui administre beaucoup de personnes et de moyens pour faire marcher ce dernier Magic Carpet qui est plus grand et plus puissant que les autres. On n'a que des bons souvenirs. Ouais. Dans tous ces 20 ans, on a évité les choses où les gens se détestent après, les grandes crises de mauvaise humeur. On a une bonne famille qui a navigué assez longtemps ensemble et ça devient plus facile. Si on change l'équipe tout le temps, ça devient compliqué. On a créé quelque chose, une équipe sportive maintenant qui est tellement fort, tellement intéressant de travailler avec. Il y a des gens qui sont des légendes dans le sport de voile aussi. Et vraiment, l'équipe Magic Carpet, c'est formidable. Le bateau que Luca Bassani aurait voulu me vendre s'appelait Genie of the Lamp. C'est une référence aux mille et une nuits. Comme nous allions faire un bateau sœur, on pensait un petit peu à ce genre de choses et tout d'un coup, quelqu'un a dit « Magic Carpet, qui est tapis volant, ça vole, ça va plus vite qu'on imagine, c'est très étonnant, c'est un peu magique. » Et je pense que cette idée-là est une idée très forte, c'est pourquoi c'est devenu presque une marque, Magic Carpet, elle est connue partout. J'ai pas de nostalgie, parce que c'est vrai que le premier bateau, c'était le premier, on l'adore, mais c'est la technologie qui a progressé assez pour que ce soit possible d'amener un bateau aussi puissant que celui-là, 100 pieds de long et avec un mât de 50 mètres. Tout ça est possible avec seulement 4 personnes l'été. Ça c'est le miracle de la révolution voilée, on va dire. C'était vraiment 20 ans de plaisir. Tu sais, on a navigué ensemble. Même en regate, même en croisière, et c'était 20 ans de plaisir.